Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais vous parler d'un animé très original, Yorin pour une fois. Bref, l'animé dont je vais vous parler, vous devez sûrement le connaître car il s'agit de Prison School, animé très humoristique, ou en tout cas il m'aura fait rire plus que d'autres. Il est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Si vous êtes féministe ou pour le statut des femmes, vous pouvez encore faire marche arrière, il vaut mieux pour vous d'ailleurs. Pour en revenir à l'objectif de cette vidéo, c'est de vous informer sur les récentes et les dernières nouvelles relatives à la série, donc plus vous renseigner sur la possible saison 2. Tenez-vous prêts parce que c'est déjà parti. Prison School prend place dans une académie pour filles, mais la bande de 5 garçons que vous devez sûrement connaître va venir dans l'académie et tout chambouler. Le syndicat des élèves se nommant le BDE est très strict. Donc après l'inscription des 5 mecs dans l'académie, ils se sont dit que filmer les douches des filles était une bonne idée. Bien sûr, ils se font prendre et le BDE les envoie en prison pour un mois. Bref, c'est là que l'année commence. Je vous épargne tout le contenu sexuel et disproportionné qui pourrait faire baisser l'image de la femme dans cette vidéo, parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Bref, je dis un peu trop bref, mais sinon bref. Par rapport à la saison 2, les dernières informations disent hélas que Prison School saison 2 par rapport à la date de sortie de base a été beaucoup retardée. Le réalisateur de la série, Tsutomu Mizushima, a récemment annoncé la mise à jour pour la deuxième saison de la série via son compte Twitter. Le célèbre auteur Yukio Keta a félicité Tsutomu pour la brillante première saison de Prison School et a posé des questions sur la date de sortie possible de la deuxième saison. Mizushima avait ensuite tweeté via son compte sur les réseaux sociaux un message laissant entendre que la date de sortie de la saison à venir avait été repoussée, mais comme le dit l'auteur, cela ne peut pas être possible pour le moment, même si vous voulez vraiment en produire. C'est en fait ce qu'il a dit très concrètement, comme indiqué par le magazine de la santé des jeunes, selon lequel il était supposé que la deuxième saison de l'animé de Prison School ferait un retour en septembre 2016 après l'immense succès de la version en manga. Mais les spéculations suggèrent que le retard dans la date de sortie est dû à l'implication des réalisateurs dans la création d'un autre animé. La deuxième saison de l'animé est censée se centrer autour du personnage principal, qui est je crois la présidente du BDE. Certains dires affirment que également Kiyoshi va découvrir toute la noirceur des secrets du conseil des élèves dans la deuxième saison de Prison School. Également, les spoilers suggèrent que lui-même se battra avec le conseil des étudiants fantômes pour détruire leur plan diabolique et ainsi faire sortir les étudiantes du pensionnat plus tôt. Selon toutes mes sources, il est affirmé un peu partout que la saison 2 verra le jour en fin 2018. Mais pour ne pas trop donner de faux espoirs, je préfère m'écouter et vous conseille d'être patient et d'attendre au moins 2019. Quelque chose semble bloquer l'auteur à cette réalisation, mais c'est bien que des célébrités lui fassent remarquer qu'il fait du bon travail, et je pense qu'à cette allure, qu'il est fort possible d'avoir une suite. Parce que bon, vu comment ça se finit, je veux impérativement une suite. J'avoue que j'ai un peu pitché des meufs qui vont en prison, après je sais pas pour vous. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.